Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne, vous pouvez y aller sur ceci-info91+subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur ceci-info91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, écoutez une chaîne de télévision sur Molotov avec son iPhone ou son iPad. Bien, je suis content de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux amis qui sont arrivés la semaine dernière. Aujourd'hui, je commence par m'excuser concernant cette vidéo que je vous ai faite la semaine dernière, lundi dernier. C'était donc écouter Molotov sur son iPhone et son iPad que je vous ai mis en ligne. Et puis, j'ai voulu vous faire, pour les nouvelles personnes qui ont débarqué, mais surtout aussi pour toutes les nouvelles personnes qui vont arriver sur la chaîne, faire une vidéo qui se mettrait en haut de la chaîne de YouTube de CCinfo91, en présentation pour vous tous, de façon que vous sachiez exactement de quoi parlait la chaîne, ou une autre but vraiment à l'arrivée, ce qu'on voulait faire dessus, ce qu'on faisait, ce qu'on essayait de faire, d'être vraiment le plus fidèle à vous, essayer d'aider, d'apporter la culture et des loisirs. Cette vidéo, normalement, elle est visible uniquement, si j'ai bien fait le travail, uniquement pour les nouvelles personnes, et normalement pas pour les autres abonnés ou les autres personnes qui vraiment viennent plusieurs fois, écouter les vidéos. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un caca nerveux, je le dis franchement, un caca nerveux lundi dernier où j'ai assemblé les vidéos et j'ai mélangé les fichiers. Je ne sais pas ce que j'ai fait, une salade complète avec les deux fichiers, donc celle de bienvenue est bonne, elle est bien mise en ligne. Elle apparaît, je ne sais pas si c'est normal ou pas, parce qu'on m'a dit qu'elle apparaissait pour tout le monde. Donc je suis désolé, peut-être qu'avec le temps, elle va descendre dans le lot des vidéos et vous la virez plus parmi les 510 vidéos qu'il y a actuellement, donc 511 avec celle de jeudi dernier, donc 512 vidéos. Vous voyez, les vidéos défilent, on en fait comme assez souvent, deux par semaine, et donc ça va être noyé à un moment donné, et j'espère que les nouvelles personnes pourront d'office voir cette première vidéo en tête de gondole, on va dire les choses comme ça, comme dans les magasins, de façon que vous puissiez vous rendre compte. Pour moi, c'est fait, dans la partie secrète de YouTube, où j'ai mon compte, j'ai coché, j'ai fait en conséquence pour mettre la vidéo en place, mais bon, je sais pas, parce que moi, je la vois tout le temps, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Donc, mes excuses pour le mélange, je tenais vraiment à vous le dire, c'est moi qui ai fait une erreur, je sais pas comment, il y a des matins comme ça, à 5h le matin, je fais n'importe quoi, la preuve, j'en suis navré. Donc, j'ai décidé, ne pouvant plus récupérer la vidéo que j'ai mis à la poubelle entre temps, parce que comme je fais les choses comme il faut, quand c'est comme ça, je fais le ménage sur le PC et tout ce qui est passé, ce qui va pas, ça part à la poubelle. Et comme je me suis planté dans les titres ou dans les fichiers, j'en sais rien, tout est parti à la poubelle. Donc Alain, comme il est courageux, il a refait la vidéo et je vous la présente aujourd'hui directement, en direct, si on peut dire, puisque je vais faire ça avec vous. Je rappelle que je fais toutes les vidéos pour les nouveaux aussi, en direct, même si c'est en différé pour vous, mais c'est fait en direct, les appareils, je prépare très rarement le travail d'avance. Pourquoi? Parce que je me mets à la place des amis débutants qui n'y connaissent rien et qu'il faut bien qu'ils comprennent par eux-mêmes que c'est possible à faire, qu'on y arrive, et de la volonté, ou alors on se fait aider, mais on peut y arriver, on n'a pas besoin de voyants, et mon but c'est ça, le but de Pascal et d'Isabelle aussi de vous fournir des vidéos. C'est de ce côté-là, vous aider à comprendre qu'on peut tout faire par nous-mêmes, là où on le peut. Bien sûr, on a des lacunes avec notre vue, mais bon, vous savez très bien ce que ça donne. Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler vraiment donc de Molotov. Je l'avais pris il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus.
Puis j'en étais parti parce que bah, j'avais tout pris toutes les chaînes payantes, pour tout vous dire. Et puis, plus que ça allait, et moi, c'était accessible pour nous. Il n'y avait pas de réponse de leur part, je ne pouvais rien faire du tout. Et bon, j'en étais parti. Voilà. Je suis franc. Depuis, et même un peu avant, mais depuis surtout, j'avais pris Molotov pour avoir les chaînes de télévision dessus, parce que j'aime bien comme écouter ma télé de temps en temps. Lorsque, par exemple, BFM TV, parce que j'aime bien écouter les flashs d'infos de temps en temps. Donc, comme ça tourne en boucle 24 heures sur 24, ça me permet d'écouter. Et j'avais pris vraiment en partie Vaudreuil pour ça. Bon, Vaudreuil, je vais l'arrêter au mois de juin, puisque bon, c'est une question de finance, comme tout, hein, pour pas être partout. Je vais l'arrêter au mois de juin, n'ayant plus mon Vaudreuil. Et donc, chercher une autre solution. Puis je me suis repenché sur Molotov pour voir ce que je pourrais en faire. Et là, j'ai été quand même agréablement surpris. Donc, je l'ai pris. Ça fait maintenant pratiquement 3 semaines que je m'en sers. Et franchement, j'en suis très content. Problème, et qu'on ne peut pas me répondre, c'est l'audio-description. Dessus, sur les chaînes où ils passent les films ou les émissions en audio-description, normalement, on doit pouvoir les écouter. Mais je n'y arrive pas. Apparemment, fiche par fiche, quand on ouvre une fiche pour écouter son film, il y a un endroit pour cocher par l'audio-description. Moi, je ne le trouve pas. Ni sur mon PC, ni sur mon iPhone, ni sur mon iPad. Voilà. Je ne parle pas de mon Mac, bien sûr, puisque je ne l'ai pas encore mis dessus, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, à part l'audio-description, le restant, c'est accessible, je peux lancer, je peux m'en servir, et je m'en sers très souvent. Pas tous les jours, je suis franc, mais très souvent, et je suis bien content d'avoir Molotov. Alors dessus, vous avez des chaînes gratuites de la TNT. Hein, tout n'est pas gratuit, par contre, c'est désolant, mais c'est comme ça. Bon, la TNT, il y a une partie qui est gratuite. Par contre, le groupe de TF1 et le groupe de M6, maintenant, sont devenus payants parce qu'ils n'ont plus le droit de le faire gratuit sur Molotov. Donc, merci à ces chaînes-là, à ces groupes-là, d'empêcher Molotov de nous les faire gratuits, hein, étant donné quand même que ça passe à la télévision gratuitement, donc je comprends pas bien qu'un support comme ça, qu'on puisse pas avoir du gratuit par rapport aux autres chaînes de la TNT qui sont gratuites. C'est un truc que je comprends pas, mais bon, ça fait partie donc des bouquets supplémentaires qu'il faut prendre, que je vais vous dire. Donc le groupe TF1 et M6 sont payants, ils sont dans un bouquet de 80 films, pour je crois 5,90 €, hein, vous allez avoir le prix tout à l'heure de façon exacte. 5,90 € pour avoir vraiment 80 chaînes à utiliser en permanence dans toute la France, j'insiste bien, toute la France. Donc vous pouvez mettre votre compte à Paris par exemple et l'utiliser à Nice ou l'utiliser à Lille par exemple, ou n'importe où en France, hein, je pense que c'était toutes les villes. Et apparemment, si j'ai bien lu, il s'est marqué dans la fiche que vous allez lire, aussi dans l'Europe. Si vous avez votre compte sur Paris, à Niort, Nice, n'importe où, peu importe l'endroit où vous serez dans l'Europe, vous pouvez donc, avec votre compte, avoir les chaînes françaises, bah, de tout ce qu'il y a vraiment de prix dans Molotov, donc côté gratuit, le restant des bouquets que vous payez en plus, mais vous aurez tout pour vous. Je tiens à le dire parce que c'est important, et en plus, ce qui est intéressant, ce que je n'ai pas sur Netflix, parce que j'ai aussi Netflix, hein, j'ai pas pris Netflix, en conséquent, j'ai un abonnement dessus sur Netflix et j'en ai pas 4 parce que c'est une question de prix. Hein. J'ai pris donc le moins cher hein, où j'ai un seul écran, c'est-à-dire je peux écouter Netflix que sur un appareil à fois et pas plus. Donc si j'écoute sur mon PC, je suis obligé de l'arrêter pour écouter sur mon iPhone et inversement. Hein. Et puis bien sûr, je peux aussi le partager mon compte avec ma soeur, mais pendant ce temps-là, je ne peux pas écouter moi Netflix du tout parce que je l'écoute en direct comme ça. Par contre, sur Molotov, que ça soit le gratuit ou que ça soit les bouquets payants en plus, vous avez le droit automatiquement à 4 écrans. C'est-à-dire que vous pouvez vous écouter en même temps sur 4 appareils différents et 4 programmes différents sur 4 chaînes différentes. Vous voyez, c'est imaginé. Donc, moi, pour moi, je suis franc. J'ai essayé, pour ça, je me suis amusé. J'ai branché ça sur mon iPhone. J'ai écouté autre chose sur mon iPad. Écouter une troisième chose sur mon PC de bureau et une quatrième chose sur mon PC portable. Maintenant, le Une nouveau, notification, une voilà, excusez-moi, notification. mais je peux pas BFM l'arrêter du TV, tout. maintenant, marque Alors, on va circulaire, essayer Pierre de. Palmade, que va-t-il se passer dans Voilà. les jours à venir? Afficher les notifications. Bah, tais-toi. Donc, sur mon PC Molotov IBM que je viens d'acheter, j'ai mis les 4 écrans, j'ai mis directement 4 émissions, 4 films différents de sources, des chaînes différentes. Et je peux vous dire que ça n'a pas tiré du tout, ça s'est bien passé, sans du tout de problème, j'étais vraiment très content.
J'ai passé mon compte à ma sœur, hein, de mon compte personnel, qui elle a pu écouter une chaîne sur son iPad, et moi j'écoutais une autre chaîne sur mon PC. Après, je suis passé sur mon iPhone en même temps que mon PC, donc elle était avec trois connexions, trois écrans en même temps de brancher sur deux personnes différentes, et c'est passé sans du tout de problème. Ce qui veut dire que ma sœur, c'est à part en province, et moi que je reste sur l'île de France, par exemple, elle peut écouter Molotov de sa province, là-bas, de sa campagne, pendant que moi je vais écouter ça de Paris, voilà, par exemple. Donc c'est avantageux, ça vous permet de pouvoir évoluer, je pense sincèrement, sans faire de publicité sur YouTube, et même pour vous prenez le premier bouquet de 80 chaînes à 500, ah, 500, pardon, à 5,90 €, ça peut être valable si vous pouvez le faire, c'est à vous de juger. À savoir que quand vous prenez un bouquet, vous avez un petit, comment ça s'appelle? Vous avez quelques jours de gratuit, mais bon, à voir avant, je ne sais pas s'il faut payer tout de suite, hein, ou si vous êtes obligé, enfin si vous pouvez attendre les, par exemple 5 jours, que vous avez 5 jours gratuits et que vous payez qu'après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je l'ai vu, mais moi je me suis abonné Deauville, quand j'ai vu, je ne pouvais pas voir ces chaînes-là, de TF1 et M6 qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on a assez parlé, mais je voulais déjà vous présenter la chose au démarrage, essayer de vous expliquer que vraiment ça fonctionne. Il y a des avantages. L'inconvénient, c'est audio description, mais je pense sincèrement que ça vient de moi, ou alors c'est mal fait chez eux, mais que je trouve pas, je ne sais pas du tout. Mais on m'a bien confirmé que il y avait l'audio description chez eux. Alors après, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Donc si vous prenez que Molotov pour l'audio description, sachez que vous risquez d'être déçu. Pour le moment, à moins que je me trompe, mais vous risquez d'être déçu. Maintenant, si vous le prenez comme moi, ou franchement, bon, j'aime bien l'audio description, hein, je ne le boude pas. Quand j'en ai des films, je les écoute avec beaucoup de plaisir, l'audio description. Mais moi, ça ne me dérange pas d'écouter d'autres programmes, d'autres films, d'autres séries qui ne sont pas en audio description. Ça ne me dérange pas du tout. Mais bon, c'est vrai aussi que j'ai vu clair dans le temps. Donc j'ai toutes les images dans ma tête. Hein, voilà. Je me rappelle, bon, même si je comprends pas toujours, parce que quand c'est de la musique, je peux pas comprendre. Une voiture qui passe, hein, dans un film, moi peu importe le bruit de la voiture, du moteur, je sais que c'est une voiture, bon, point final. Un arbre, je sais ce que c'est, le restaurant aussi. Donc, c'est vrai que enfin, d'écouter des films sans audio description, ça me dérange absolument pas. Et quand je comprends pas, ben, j'imagine le complément. Voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais vu clair, ça peut poser problème. Je tenais quand même à le souligner, c'était ça le problème principal. Donc maintenant on va aller sur Molotov. Une notification. BFM Alors, TV. ça Afficher on les va couper ça, notifications. voilà. Molotov. Fast time. Bon, on va aller sur Molotov. Déjà, faut, si vous ne l'avez pas mis en place, Molotov, donc c'est M-O-L-O-N-O-T-O-V, Molotov, c'est ça. Vous allez sur App Store, vous la téléchargez, c'est gratuit, vous l'installez sur votre iPhone, votre iPad. Je sais qu'elle est sur Android, mais je ne sais pas comment ça se passe sur Android. Donc je vous parlerai absolument pas d'Android du tout aujourd'hui et même sur la prochaine vidéo que je vous ferai sur le côté PC. Hein, sur le PC, de toute façon, vous puissiez voir la différence. Aujourd'hui, on fait vraiment l'iPhone, c'est important. Donc vous téléchargez l'application, elle s'installe toute seule. Une fois qu'elle est installée, il faut créer son compte. Si vous n'avez pas de compte, il faut le créer. Alors là, par contre, sur l'iPhone, j'y suis arrivé très facilement, mais j'avoue que sur le PC j'ai galéré, il a fallu que je cherche avec les différentes revues d'écran. Donc moi je me sers de JAWS 2019 en temps normal parce que je préfère celui-là par rapport à d'autres pour naviguer sur les sites, tout ça. Je trouve que pour moi, à mon avis, et à mes oreilles aussi, je trouve qu'il a le meilleur son le JAWS 2019 que le 21, 22, 23. Ça me plaît mieux, donc je mets vraiment 19. Et avec le 19, sur le PC, j'y galérerai pour mettre mon identifiant, mon adresse email que j'ai déjà, hein, puisque j'avais déjà une adresse email d'antan chez eux que j'ai coupé. Il a fallu que je remette un mot de passe, pareil. C'était un peu la galère et finalement, entre 21, 19, 21, 22, 23, que j'ai testé après en démo et les autres, je suis passé par NVIDIA et entre le jour 2009 et NVIDIA, j'ai aussi à remettre mon compte en place, ce qui n'a pas été évident sur le PC. Mais j'ai pu le faire tout seul. Donc là, il faut un peu de patience. Donc si vous avez un voyant, une voyante, je vous conseille de passer par cette personne pour vous créer si vous n'y arrivez pas. Parce que moi, j'ai passé quand même plus de 3 quarts d'heure à essayer de mettre mon compte sur le PC. Voilà. Qu'alors sur mon iPhone et sur mon iPad, j'ai mis quoi, 3 minutes. Hein. Une fois que l'application est en place, après, bon, tant pour mon temps, taper, parce que moi, je tape sur la vitre, hein, directement, mais mon identifiant.
Allez, à chaque fois, ça met 2-3 minutes pour plus. Vous voyez, ça va très très vite. Donc, Luminosité de l'écran dès que réduite. vous avez mis votre identifiant, NotOff est opérationnel. Et là, toutes les chaînes gratuites, vous pouvez y accéder. Et puis les autres, bien sûr, il faut après avoir le bouquet pour y accéder. Donc, on va voir mon NotOff maintenant. Donc, moi, je vais demander à Siri. Dis Siri. Ouvrir Molotov. 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 Fermé. Bouton. On va aller voir, il me dit fermé. Donc je vais glisser. Fermé. 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 Alors, il Bouton. fait fermé, je ne sais Fermé. pas pourquoi. Mon compte. Bouton. Non, Afficher voilà. la liste des Chromecasts Alors, disponibles. voilà ce Mon qu'on a compte. dessus. Mon compte. Là, vous avez votre compte. Hein. On va y aller, bon, après, si on a le temps, mais de toute façon, c'est votre compte, et dedans, vous pouvez donc voir les bouquets, les options, ce que vous pouvez prendre en plus en payant, et tout ce que vous voulez. Et dedans, une fois que vous avez pris le bouquet payant, il n'y a que là qu'on peut l'avoir. Vous avez même, vous pouvez faire de l'enregistrement. Donc, moi, en prenant le bouquet à 80 euros, j'ai 8 heures que je peux enregistrer directement, donc, sur les fiches, vous verrez, on va y aller après. Il y a sur certaines fiches, on trouve un endroit pour enregistrer tout. On peut pas tout enregistrer, mais des choses qu'on peut enregistrer, et si on clique dessus, et ben ça va se mettre dans Luminosité de l'écran l'enregistrement réduite. directement, qui est prêt à démarrer, et ça va se faire tout seul, parce que ben, on peut programmer d'avance. Par exemple, là, on est 10h30 du matin, je peux programmer quelque chose ce soir, 20h, 20h30, 21h, selon ce qui passera à la M télévision. majuscule. Directement, je Marcel. programme et puis moi je vais me coucher parce que vous savez, je me couche très tôt, me lever à 4h30 le matin. Donc j'enregistre ce soir pour écouter le lendemain. Et là, je retrouve l'enregistrement et on a une autonomie, si on peut dire, de 8 heures qui normalement, on m'avait dit, était là pour quelques jours. Et moi, je suis allé jusqu'à 3 mois avec mes enregistrements il y a 2 ans, 3 ans. Donc j'ai pas encore fait l'essai vraiment. J'en ai un qui est mis en place dans mes enregistrements depuis maintenant 2 semaines et il est toujours là. Voilà, c'est l'essai que j'ai fait. J'attends qu'il disparaisse, parce que j'espère qu'il va disparaître à un moment donné. De temps en temps, je l'essaye, il fonctionne, mais bon, j'en sors. Il est là en attente. Je vais voir combien de temps il va rester là-dedans dans cette partie d'enregistrement. Maintenant, je vais vous faire glisser, on était le compte. Afficher la liste des Chromecasts. Mon Voilà. compte. Alors. Afficher la liste des Chromecasts disponibles. Bouton. Bon, Chromecast, c'est vraiment pour balancer votre vidéo, si on peut dire, le streaming sur un écran de télévision, par exemple. Donc, il faut rentrer dedans. Moi, j'en ai pas, donc je peux pas faire l'essai. Search. Bouton. Rechercher. Là, on recherche ce qu'on veut, mais bon. Que voulez-vous regarder? En tête. Là, c'est intéressant. Film. Bouton. Voilà, les films. Série. Bouton. Donc, on peut choisir là-dedans. Sport. Bouton. Documentaire. Bouton. Divertissement. Bouton. Enfant. Bouton. Molotov pour l'école. Je vais Bouton. pas trop vite. Information. Bouton. Bon, ça, c'est notre information. Culture. Bouton. Reprendre. En tête. Reprendre la lecture de Famille Nombreuse, La vie en Voilà. XXL sur TF1. Encore 36 minutes. Afficher les détails. Alors ça, c'est Bouton. ma soeur. Adulte. Vêtements. Famille. Nombreuse. ENXX. Adulte. Vêtements. C'est ma Famille. soeur qui a fait un Nombreuse. essai là, qui a donc ENXX. lancé la vidéo pour essayer comment ça passait sur son iPad. Et vous voyez, comme c'est le même compte, je le retrouve là. Et si je veux, je peux le relancer sans du tout de problème pour avoir la suite. Donc on va le lancer. On va bien on Sélectionner. clique dessus. Paysage. Voilà. Et vous n'aurez plus envie de grignoter. Airplay. Ajouter aux favoris. Famille nombreuse. 43%. Pause. Bouton. Voilà. Et là, je peux faire pause. Lecture. Voilà. Vous avez pu voir, j'ai pu faire donc lancer la lecture en cliquant dessus. Par contre, automatiquement, il vous demande de mettre ça en paysage. Il faut retourner l'iPhone dans l'autre sens, ça vous connaissez. Et après, en balayant, on peut faire pause directement sans tout problème et ça arrête la L lecture. majuscule. E. Alors maintenant, C. il va falloir que Célestine, j'en sorte. reprendre au début. Lecture. Voilà. 43%. Famille nombreuse. Ajouter aux favoris. Airplay. Bouton fermé. Voilà, il faut que Bouton. j'en sorte. Je clique dessus. Portrait. Corps céleste autre. Alors, Logo portrait, il autre. me demande de mettre un Pancarte. portrait. Plaque d'immatriculation. Mon compte. Bouton. Afficher la liste des Voilà. Chromecasts dit. Search. Donc, je suis Bouton. revenu vraiment sur la Rechercher. page d'accueil, hein. Donc, maintenant, je vais rebalayer. Adulte. Que voulez-vous regarder? On va Film. aller voir plus Bouton. loin. Série. Sport. Documentaire. Divertissement. Enfant. Molotov pour l'école. Information. Culture. Reprendre. En tête. Reprendre la lecture de Famille Nombreuse. Non. Reprendre la lecture de la maison des maternelles sur France 2. Encore Ça, 30 c'est moi minutes. qui fais un test, Afficher ça a les été détails. pareil, hein, donc Bouton. je vous relance Adulte. pas, c'est exactement Vêtements. la même Puce la chose. maison. Reprendre la lecture de Drôme sur Mango. Encore 89 minutes. Alors ça, Afficher les détails. j'ai commencé à Bouton. regarder le Adulte. film. Appareil photo. Chapeau. Bon, on va laisser Lunettes. parler. Des nœuds. Mango. C'est moi qui l'ai lancé pour écouter un soir. Je voulais voir ce que ça donnait vraiment d'écouter un Adulte. film comme Appareil ça sur photo. l'iPhone Chapeau. directement chez eux. Lunettes. Des nœuds.
Et puis là, bah, il y a eu tellement de publicité que j'ai dit, bon, ça va, c'est bon, j'arrête, parce que toutes les 10 minutes, 15 minutes maximum, j'avais de la pub. Et sur un film qui me fait au moins 1h30, 2h, moi, ça me casse les pieds. Donc j'ai arrêté le film au bout d'une demi-heure pour tout vous dire quand j'ai vu ce que ça donnait. En plus, on Adulte, a... appareil Bon, photo, bah, tu reprendre la l'as. lecture de Voilà. Balthazar saison 5 épisode 6 sur TF1. Encore Voilà. 49 minutes. Surtout que j'ai Afficher été les en train détails. d'écouter Bouton. et ils Adulte. préviennent pas, on Balthazar. n'a pas de Or. musique, rien du tout. Bleu. On passe du film à la pub directement, et quand la pub est finie, on repasse au film. Pff, je vais vous dire, on sait plus très bien où on est par moment, parce que bah, ça dépend ce qu'il y a comme publicité par rapport au film, c'est Adulte. ça le problème. Balthazar, ça vient d'arriver dans mes Voilà, enregistrements. alors En fait. ça, par contre. Programme enregistré. Le crime lui va si bien, saison 1, Voilà. épisode 5 sur France 2. Afficher les détails. Ça, c'est Bouton. le film que j'ai Adulte. enregistré. Écharpe. Pancarte. Le crime lui va si bien. 2. Ça parle beaucoup, comme vous pouvez le voir, donc je suis obligé de m'arrêter. Donc, je l'ai enregistré en essai le premier jour que j'ai mis mon tome, et il est toujours là, et il est prêt à être lancé directement. Donc, on va le lancer, normalement. Fermez la page. Bouton. Recommandez ce programme. Partagez ce programme. Le crime lui va si bien. 24 février 2023. Ajoutez aux favoris. Lancez la lecture. Bouton. Lancez la lecture. Paysage. Fermez. Bouton. Voilà. Fairplay. Fermez. Bouton. Ah, j'ai pu le Fermez. fermer comme ça là. Vous avez pu Portrait. Avion. voir, il est Fermez. toujours là. Il est dans mes enregistrements. Il est prêt vraiment à être écouté jusqu'au bout sans du tout de problème. Et là, j'ai pu le lancer. Et vous pouvez voir qu'il est toujours présent à la date d'aujourd'hui. Et franchement, je trouve ça chouette parce que je peux l'écouter n'importe où. Donc, un film qui me plaît que je suis pour un soir, n'importe quoi, je mets en enregistrement si on nous permet de l'enregistrer, ce qui n'est pas toujours évident. Et je l'écoute quand je veux après. Ça, c'est fabuleux par contre. Alors, donc, je continue. Recommandez ce programme. Partagez ce programme. Le crime lui va si bien. 24 février Je vous 2023. fais par cœur la fiche. Ajoutez aux favoris. Lancez la lecture. Donc on va Bouton. pas le lancer. Hein. Supprimez l'enregistrement de ce programme. Ah bah tiens, Bouton. on va supprimer. Supprimez l'avertissement. Supprimez un enregistre. Voulez-vous vraiment supprimer? Annuler. Bouton. Donc je fais donc Supprimez. Bouton. supprimer. Hein. Je fais glisser mon doigt, je ne dis pas à chaque fois, mais je fais supprimer. Le crime lui va si bien recommandé par 1367 personnes série policière, France, plus 1h30 plus accolade ouvrante audio tiré du badesque accolade fermente accolade ouvrante des facolades fermentes. Il était Partagez supprimé. ce programme, recommandez ce. On va Fermez la fermer. page, Voilà, on bouton. ferme. Fermez la page. Voilà, Le j'ai compte, fermé exprès bouton. finalement pour vous. C'est une démo, bah tant pis, je recommencerai. Mais bon, je sais que ça fonctionne. On peut enregistrer, on peut écouter après. Et c'est un essai que je vous fais vraiment pour vous montrer que bah, c'est une utilité pour nous qui est quand même assez pratique. Donc je continue à Afficher glisser. la liste des Chrome Search. Alors, on va aller plus En seconde, loin. voir tout. Amour, Consoma, Illustration, dans votre région, la suite. Voilà. Pancarte, le magazine de la santé. Adulte, ça peut vous Alors arriver. ça, on n'a Adulte, pas Antarctica, ciel, les chaînes. TPMP, deuxième partie. Adulte, W9 Eagle, Pancarte, une famille à tout prix. Gossip Girl, Vampire Diary. Adulte, la politique et moi. Adulte, un jour, une question. Le Live Toussaint. Adulte, l'heure des pros. Adulte, costume. Ça, Le Live Toussaint. c'est Adulte, BFM. Je vais bannière. vous le lancer. Fermez la page. Bouton. Alors, BFM, il a du mal à démarrer. F majuscule. F majuscule. François. Alors. Recommandez ce programme. Partagez ce. Le Live Toussaint ajoutez aux favoris. Lancez la Ah lecture. bah, peut-être Bouton. que j'aurai sa Lancez lecture, la. pardon, excusez-moi. Paysage. Être là Voilà. pour faire Bah, vous voyez, ça valoriser vos droits fonctionne quand et on veut ajouter bien. aux favoris. Programmer l'enregistrement. Ouvrir la télécommande. Le Live Toussaint. Système 54%. de retraite. Merci beaucoup, 54%. Fabien. Pause. Bouton. Ici, la manifestation va. Lecture. Alors. L majuscule. Je repasse dans l'autre sens. L majuscule. L majuscule. Ouvrir la télécommande. Bouton. Ah, on va aller voir ce qu'il y a dans la télécommande. Ouvrir la télécommande. Le Live Toussaint. Adulte. C'est la première fois que bannière. je fais ça devant vous, Vêtements. hein. Élive. Un jour. Une. La politique est Vampire Diary. Gossip Girl. Une famille à Alors. tout prix. W9 Eagle. TPMP. Alors, qu'est-ce Double. qu'il donne Fa là-dedans? Gossip. Vampire Diary. La politique est Un jour. Le Live Toussaint. L'heure des pros. Top streaming. Bienvenue chez les Kazakhs. Petit secret en direct auto, la robe de ma vie, Bah. les grandes gueules, mordu de la pêche, Snaped, le temps de l'info, le fil info 10h30, Alors, on va BFM, passer. explorer l'image, le temps de explorer l'image, activé, par des, explorer l'image, Ah, activé, je suis par des, le embêté fil là. info, Sabrina le film, Edge of de, le, Sabrina, le prix de la trahison, une mariée en cava, tech echo, Bon, adulte, c'est famille pas en grave, cause, on la va vie en vide, couper, une hein. famille à tout, le journal, feuilleton, flamme, de vibe, J'ai le fait une petite gôtre, de bêtise, j'ai tir, l'impression. sélecteur d'app, Pas Molotov, fermé. fermez Molotov. Voilà. Passer par le secteur pour le fermer. Fermeture de Molotov. Sélecteur d'app. Message. Action activée. Fermez Alors, on message. va fermer pour Fermeture de l'instant. message. Mail. Action activée. Fermez mail.
Fermeture de mail. Téléphone. Activé. Fermer téléphone. Fermeture de téléphone. YouTube. Active. Fermer YouTube. Fermeture de YouTube. FaceTime. Vous pouvez voir en direct que sur mes applications. Fermeture de FaceTime. Plan. Action. Active. Fermer plan. Alors pourquoi j'ai ouvert ce plan? Orion. Action. Active. Fermer Orion. Fermeture de Orion. Safari. Active. Bon, fermer Safari. Ça, voilà. C'est bon, quoi, Safari. Reportrait. Voilà. FaceTime. Prenez les parties. Excusez-moi. Donc, mon état fonctionne. Alors maintenant, je vais donc poser mon iPhone. Et je vais demander à Siri, notre fabuleux Siri, qui fonctionne bien quand il veut, parce que quand on envoie des SMS ou des emails, bien souvent on a des surprises, et j'ai des copains et des copines à qui j'envoie des SMS ou des emails, et inversement qui m'envoient pareil, et bien souvent ils changent les mots. Alors bon, il n'y a pas que des fautes, il y a aussi des mots qui changent complètement, et des fois ça ne veut pas du tout dire ce qu'on a dit. Donc ça pose problème quand même. Alors on y va, dis Siri. Ouvrir Molotov. Molotov, barre d'onglet, mes programmes. Onglet. Voilà, on l'a ouvert, toujours, on ferme exprès. Série, bouton. Alors. FaceTime. Voilà. Calendrier. On va fermer maintenant. Mars. Hop, on ferme. Voilà. Donc maintenant, je vais lui demander. Dis Siri. Écoutez BFM TV sur Molotov. Molotov, paysage. Donc là, il y a quand même un petit problème. Voilà. Depuis le début, vous nous dites, on travaille sur le texte, on travaille, on l'a. Voilà. Portrait. Voilà. Revenir à Siri, bouton, élément de la barre d'état. Revenir à, nul, bouton. Voilà. Donc, vous avez pu voir que j'ai pu lancer directement. Eh ben, BFM TV, grâce à Siri, qui revient vraiment Molotov. Donc, bien sûr, il faut lui donner la chaîne, hein, ou le nom de la chaîne, plus surtout Molotov, parce que là, je pourrais lui demander, à la limite, dis Siri, ouvrir télévision, chaîne, bon, je vais recommencer, c'est pas, oui, non, mais je sais, c'est très bien. Non, vous aurez configuré l'application maison. Non. Dis Siri. Ouvrir France 2 sur Molotov. Barre d'onglet. Mes programmes. Onglet. 2 sur 3. Molotov Store. Onglet. Molotov Store. Mes programmes. Sélectionner. Accueil. Onglet. Ah, ça n'a pas marché. Fast time. On va commencer. Dis Siri. Ouvrir chaîne de télévision France 2. Paysage. Fermé. Voilà, c'est fait. Pour protéger et apaiser ta peau délicate. Fermé. Bouton. Voilà, on va fermer. Fermé. Portrait. Corps céleste autre. Logo autre. Voilà. Carte. Plaque dit mon compte. Bon. Bouton. Pourquoi ça m'a ouvert France 2, pourquoi je l'ai ouvert directement sans dire le mot Molotov? C'est tout simplement que je n'ai aucune autre application de télévision sur mon iPhone. J'aurais eu deux, trois applications différentes de télévision sur mon iPhone. Là, il aurait fallu que je prononce Molotov si je voulais que ça ouvre sur Molotov, parce que sinon il m'aurait demandé voulez-vous ça, ouais. Donc j'aurais eu trois choses différentes en choix. Hein, et moi, comme j'ai que Molotov, je suis tranquille. Je peux donc lui demander vraiment de voir ce que je veux. Dis Siri. Ouvrir chaîne de télévision TF1. Paysage. Alors, tu fais quoi là? Tu dors? Voilà, ça vient. Fermé. Bouton. Voilà, je ferme. Fermé. Voilà. Série. Bon. Pourquoi je fais aussi vite sur les chaînes? C'est quand même, il y a les droits d'auteur face à YouTube. Faut quand même que je méfie parce que des fois, à deux reprises, ils sont tombés dessus. Ils m'ont dit que il y avait certaines musiques qui ne passaient pas avec les droits d'auteur. Donc, ils m'ont bloqué les vidéos. Il a fait que je les refasse, que j'avais des bouts. Donc, je me méfie. On a le droit à 11 secondes. Donc, je fais attention à ça maintenant, aussi bien pour les radios, les musiques, que les chaînes de télévision. Alors, je vous fais essai pour vous montrer, mais bon, je fais attention. Donc, je viens de voir TF1, je l'ai fait devant vous. C'était la première fois que j'ouvrais TF1, là, carrément sur l'iPhone. J'ai fait sur le PC, mais là, c'était la première fois. Donc là, c'est une chaîne payante maintenant. Hein, faut bien vous dire une chose. Sinon, il m'aurait dit que c'était pas possible de l'ouvrir.
Là, c'est une chaîne payante. Automatiquement, j'ai pu ouvrir directement TF1 et écouter. Donc, c'est vrai que ça aurait été bien. Maintenant, je vais faire une autre. Parce que c'est pareil, je ne l'ai pas encore fait. Dis Siri. Ouvrir chaîne de télévision M6. Quelle vidéo voulez-vous lire? M6. Il ne semble pas que vous ayez une app intitulée MYCNA. Ah, d'accord, ok. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à la rechercher dans l'App Store. Non. Ok. Dis Siri. Ouvrir chaîne de télévision M6 sur Molotov. Quelle vidéo voulez-vous Ah lire? ben là, il en veut pas. Rien du tout. Quelle vidéo voulez-vous lire? Dis Couvert Siri. d'onglet. Métro. Ah. Dis Siri. Ouvrir. Barre d'onglet. Mes programmes. Onglet. 2 sur 3. Non, je le bouscule, ça lui plaît pas. Fast time. Alors, on va recommencer tranquillement. Dis Siri. Ouvrir chaîne de télévision sur France 3. Molotov. Paysage. Fermé. Voilà, ça marche. Fermé. En cuisine, t'es Bouton. comment? Fermé. Alors. Fermé. Portrait. Corps céleste autre. Logo autre. Dis Siri. Pancarte. Plaque. Ouvrir chaîne de télévision LCI. Quelle vidéo voulez-vous lire? Il y a des vidéos qui passent pas comme ça. Dis Barre d'onglet. Siri. Mes programmes. Dis Siri. Barre d'onglet. Mes programmes. Onglet. Il y a des choses Molotov. qui... Molotov Store. Mes programmes. Molotov. Mes programmes. Sélectionner. Accueil. Onglet. Barre de Bon. défilement verticale. Deep. Fast time. Dis Siri. Ouvrir chaîne de télévision Mango. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour ouvrir chaîne de télévision Mango. Ben non, tu Regardez. l'as. Afficher les résultats Google. Bouton. Alors, il n'en veut pas. Calendrier. On va le faire Photo. autrement si on Calendrier. peut. Mardi. Mode édition. Photo. Appareil Faut photo. pas lancer le Mail. parti. Route. Rappel. Horloge. Télé. Dis Siri. Ouvrir Molotov. Molotov. Alors. Molotov Store. Molotov Store. Mes programmes. Onglet. 2 sur 3. Programme, on va aller voir Sélectionner. dedans. Mes programmes. Molotov Store. Onglet. Molotov. Sélectionner. Mes programmes. Accueil. Manipulation sur énergie 12 demain à 23h40. Django Enchaînette sur Franc. Non-stop sur énergie 12 diffusé à 22h20. Afficher les détails. Ok. Un long dimanche de fiançailles sur les proies sur C8 Donc ça, diffusé à c'est les 22h09. Afficher programmes les qui passent à partir d'aujourd'hui, hein, La montagne entre nous sur sur les CSTR chaînes. demain à 22h15. Donc là, Afficher vous les pouvez détails. savoir ce qui va se passer et Découvrir une enregistrer sélection pour des programmes certaines les plus choses. attendus. Les Mais proies c'est pas ce un que je dimanche de cherchais. non-stop sur énergie 12. Django Enchaînette. Manipulation sur énergie. Rush sur énergie 12. Agent secret sur CST. Portrait de femme sur A. Red 2 sur MCD. Avant-toi sur C. Batman Budge. Edge of J'ai été le talentueux. Un Jega. L'arme faite. Insaisissable sur la famille Belly. Eh ben, je suis perdu. Barre d'onglet. Sélectionner. Molotov Store. Ah, onglet. ok. Sélectionner. Mes programmes. Molotov Store. Sélection. Accueil. Onglet. Voilà. Insert. Ah oui. Sélectionner. C'est parce Accueil. que ça dit Onglet. pas toujours où 3. on est quand même. Donc, il faut, dans ce cas-là, si vous trouvez pas, comme là, il suffit d'aller un coin avant, en avant, un coin en arrière, et vous voyez, j'ai pu retomber sur l'accueil, alors que je venais de le passer, mais il y en a une autre chose. Donc, je devais aller trop vite, ou lui, il est en retard, j'en sais rien. Barre de défilement verticale. Voir tout. Bouton. Inclus avec Molotov Extra. En tête. Ah, bah voilà. Donc. Voir tout. Chemin Pali. Caméra café. 20 ans déjà. Adulte. Cravate. Pancarte. Cargras. Sassé. 20 ans déjà. Mission travaux, ma maison est un turbo. Alors adulte, ça c'est sur ce qu'il y a vraiment adulte, sur les 80 extérieur, chaînes payantes. Donc pancarte, maintenant je vais vous faire écouter vraiment fast time, calendrier, les chaînes 17 mars, que vous allez trouver comme chaîne. On va couper ça. Voilà. Musique. Je vais me placer. Une voilà. Là je vais vous faire lire une fiche hein, avec la synthèse vocale. Peut-être ça sera rapide pour vous, mais ça va vous donner au moins déjà comment ça se présente, ce que vous pouvez faire avec, et surtout le nom des chaînes que vous pouvez avoir. Avec donc le payant à 80 chaînes, donc à 5,90€, vous l'avez écouté de toute façon, qui s'appelle donc l'Extra. Donc on y va, ça vous donnera une petite idée. Hein. C'est pas de la pub que je vous fais, rien du tout, c'est pour vous dire quand même que c'est bien accessible, qu'on peut vraiment s'en servir. Après, bon, c'est une question de maniement, c'est vrai que moi aussi je vous fais ça en direct, donc c'est vrai que tenir mes appareils en même temps dans les mains, faire ça, Siri, bon, il fait ce qu'il veut par moment, c'est pas évident, mais je peux vous dire que ça fonctionne. Donc on va y aller, je vous lance la fiche.
Et je vous retrouve après, bien sûr. Molotov Extra, s'abonner avec l'option Molotov Extra. Ne ratez plus aucun programme et profitez de plus de 80 chaînes pour 5,99€ par mois. En plus des avantages suivants, liste de 6 éléments, plus accéder à plus de 80 chaînes pouvant aller jusqu'à une qualité HD 1080p pour les chaînes qui le proposent. Plus contrôle du direct et retour au début. Plus reprise de lecture du direct. Plus regarder Molotov sur 4 écrans en simultané. Plus la possibilité de profiter de votre offre Molotov depuis n'importe quel pays de l'Union Européenne. Fin de la liste. Comme toutes les options Molotov, l'option Extra est sans engagement. Vous pouvez résilier quand bon vous semble. La gestion de vos abonnements est accessible directement depuis votre espace personnel Molotov. Voici la liste des chaînes proposées dans l'option Molotov Extra. Liste de 82 éléments plus TF1 plus TF1 4K plus France 2 plus France 3 plus France 5 plus M6 plus Arte plus C8 plus W9 plus TMC plus TFX plus NRJ 12 plus LCP Public Sénat. Plus France 4 plus BFM TV plus CNOWS plus CSTAR plus Gulli plus TF1 série film plus l'équipe plus Citer plus RMC Story plus RMC Découverte plus Chéri 25 plus LCI plus France Info plus TF1 1 plus TMC 1 plus France 24 plus CGTN français plus CGTN plus INA plus TV5 Monde plus RTL 9 plus Comme 10 Antoine plus KTO plus Euronet plus Public Sénat plus I24net plus BFM Business plus Bismarck plus BFM Paris plus BFM Lyon Métropole plus CNN plus I24net Anglais plus I24net Arabe plus Seattle Post plus Cheddar plus Action plus Monde plus Monde Max plus Trek plus Gourmand TV plus NRJ Hit plus Mezzo plus Trois Latina plus Trois Urban plus Trois Caribbean plus Equidia plus Auto plus Nautical Channel plus Sport en France plus Lucky Jack plus Fashion TV plus Luxe TV plus M24 plus Playboy TV plus Mambo Cinema. Plus Mambo Ki plus Mambo Série plus Mambo Doc plus Mambo Histoire plus Mambo Novelas plus Winsid plus LCP 100% plus Brut plus Figaro Live plus France Inter plus France TV plus Camion plus au couffin de la liste pour des raisons de droit de diffusion. Molotov ne peut malheureusement pas vous assurer la disponibilité de ces chaînes dans les Dromcom. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est 5,99€ hein, pour l'Extra. Voilà, je vais rectifier le tir. Alors, c'est vrai qu'il y a 80 chaînes. C'est vrai qu'il y a plein de chaînes que je connais absolument pas. Je sais pas ce que c'est du tout. Mais bon, ça nous permet d'avoir ce qu'il faut en cas de besoin. Hein, maintenant, vous me connaissez. Hein, je me lève à 4h30. Le soir, je me couche. Allez, je suis franc. À partir de 20h15, nous, on a tout fini à la maison. Je suis sorti l'une. Donc je me couche et là j'écoute un film ou un livre, bon dans mon lit, des fois j'écoute la télévision comme là avec Molotov, bon je peux mettre, et puis vers 20h, 21h30, 21h45 au pire, ben je m'endors de toute façon, donc je suis pas obligé d'arrêter les choses, et vraiment Molotov moi m'aide beaucoup la nuit en plus de Netflix quand je dors pas, parce qu'après c'est l'enfer, hein. Je dors entre 4h et 5h30 par nuit en moyenne, et des fois c'est très 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 long, quand en plus de ça je dors que 2h d'affilée puis terminé, ça m'arrive aussi ça. Donc tout ça me m'aide beaucoup, donc je fais pas la pub pour Molotov, hein, mais je trouve que c'est quand même pas mal accessible. Regret l'autodescription, mais j'ai pas dit mon dernier mot non plus, il va falloir que je trouve une solution, voir avec eux, remuer, j'en sais rien. Donc si vous avez la solution vous, n'hésitez pas à me le dire, à m'en parler, je rappelle, vous pouvez m'écrire. Pour ça, pour d'autres choses, hein, pour tout, hein, de toute façon, mais là, vous pouvez aussi m'écrire pour me donner la solution, donc, à Leclerc Alain 91, LECLAIRALAIN 91@gmail.com. Ça pourra peut-être servir à d'autres amis, et je pourrais donc le redire peut-être sur une vidéo en info bonus, hein, bon, c'est vraiment qu'on en a pas fait, mais en info bonus, quand c'est des informations rapides comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo quand même vous a plu à écouter, hein. Je suis encore navré, désolé, je m'en excuse pour avoir fait ma connerie, hein, je veux dire les choses comme ça, ma connerie d'avoir planté ma vidéo, parce que j'ai tout jeté du coup, donc j'ai perdu beaucoup de temps à assembler tout ça dans tous les sens, pour aller mettre le tout à la poubelle. Heureusement j'ai pu sauver la vidéo de bienvenue, où d'ailleurs j'ai fait exprès de pas mettre de générique dessus, de façon que les nouvelles personnes ne soient pas perturbées par le générique, et débutent directement sur les paroles, voilà. Je fais toujours au mieux de mes possibilités avec le matériel que je possède. Le Ligno maintenant est en train de lâcher complètement, donc je l'ai mis en place vraiment ben, pour enregistrer certaines choses sur mon PC quand j'ai besoin, mais je sais qu'il va pas faire long feu, on n'en trouve plus dans le commerce hein, du Ligno. Je me sers actuellement donc de Evo E10, je le rappelle, pour faire mes vidéos. Donc ben, vous voyez ce que ça donne au niveau de la sonorité, de l'enregistrement. Hein, là, je peux pas faire mieux. Je sais qu'on m'a dit que c'était bien. D'autres personnes m'ont dit, bah, c'est un peu juste. Bon, alors moi, je peux pas faire l'équilibre. Hein. De toute façon, je n'ai que ce que j'ai. Exactement. Donc, je vous fais ça avec l'Evo E10. Fin juin, normalement, je devrais avoir l'Evo E12 qui me permettra, je l'espère, de faire les vidéos un peu mieux, de voir comment on peut faire ça autrement. Parce qu'en plus, c'est la stéréo. Alors, je sais pas ce que ça donne. Si vous avez l'Evo E12, d'ailleurs, merci aussi de me contacter hein, pour m'en parler et me dire ce que vous en pensez, vraiment. Pourquoi pas, si vous êtes prêt à me faire un petit podcast ou que je fasse un interview avec. Ça serait sympa pour tout le monde qu'on sache exactement ce que vous pensez de l'Evo E12.
Je compte sur vous pour toutes ces démonstrations, ces tests pour les autres. C'est important qu'on s'entraide, hein, je le rappelle à chaque fois. Tout ne doit pas être fait par moi, par Pascal, Isabelle. Vous êtes là aussi et on compte sur vous. Hein. Et puis moi, j'aime bien vous avoir, ne serait-ce que par téléphone. Je vous rappelle que j'aime beaucoup d'avoir par téléphone. Ça nous permet de mieux nous connaître, de savoir comment on est, hein, comment on se comporte face à d'autres amis vraiment dans la réalité. Hein. Ce n'est plus des messages, des SMS, tout ce qu'on veut. C'est vraiment par téléphone, si j'ai. Vachement chouette en plus de ça, donc n'hésitez pas, envie de faire d'aider les autres, envie de me parler, envie de faire des vidéos avec moi, n'hésitez pas, je suis là pour ça, de toute façon, je serai à votre écoute. Prochaine vidéo que je vais faire, ça sera toujours donc sur Molotov, mais sur le PC ce coup-ci, que vous puissiez voir s'il y a une évolution, ce que ça donne les deux, et voilà. Et je rappelle, le compte que vous allez ouvrir sur le PC est exactement le même que sur votre iPhone, iPad, hein, Android. Je sais pas, je peux pas vous dire pour le Mac, si vous avez des Macs, bah, si vous avez un Mac, c'est pareil. Merci de me contacter pour me dire, ça y est, j'ai mis mon temps sur le Mac, ça marche, ceci, cela, c'est comme tu dis, tu vois, ça peut servir aux autres. Et ben, je vais le dire aussi, il n'y a pas de souci pour cela. Hein, si c'est court, je ferai une info bonus, si c'est long, et ben, je ferai une vidéo pour cela, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo, comme d'habitude, et très belle journée à vous tous. Salut!